Bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par CyberRes Microfocus et intitulé « Renforcer la sécurité de vos applications avec Fortify Scan Central SAST ». Cette session de 45 minutes sera animée par notre duo d'experts, Alex Gendry et Omar Rachid. Et sachez que nous vous enverrons la présentation à l'issue de ce webinaire avec le replay. Messieurs, c'est à vous. Merci Gaël pour cette introduction. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Alex Gendry, je suis avant-vente sur les produits de la division CyberRes depuis 5 ans et plus particulièrement sur les solutions de sécurité des applications et également sécurité des données. Et avec moi aujourd'hui, et qui aura le plaisir de vous faire une démonstration d'ici quelques minutes, mon collègue Omar Rachid, expert en sécurité applicative. Omar a accompagné plusieurs entreprises dans la mise en place d'outils d'analyse de sécurité dans la chaîne de fabrication logicielle. Et aujourd'hui, intervient principalement en qualité d'ingénieur avant-vente produit autour de la solution Fortify. Nous allons aujourd'hui vous expliquer comment renforcer la sécurité de vos applications, et cela avec la solution Scan Central SAST de Fortify. Cette présentation, vous verrez, se place parfaitement dans le contexte actuel où atteindre un état optimal de sécurité pour votre business et vos applications est atteignable lorsque l'automatisation, l'infrastructure, l'architecture et les politiques de sécurité sont parfaitement alignées, et cela à travers votre organisation. Durant ce webinaire, nous commencerons par une présentation de Fortify et de son portefeuille. Ensuite, on passera à la discussion, on discutera des besoins et des enjeux de l'application security. Nous allons ensuite nous focaliser uniquement sur la solution SaaS de Fortify ainsi que son architecture Scan Central, avant de conclure par une démo d'une intégration de bout en bout de notre solution. En parallèle, nous vous invitons à écrire vos questions si vous en avez dans le panneau sur la droite de votre écran pour qu'on puisse y répondre à la fin de ce webinaire. Donc, commençons par une présentation Fortify. Fortify, donc un peu de background, hein, Fortify est une solution entièrement détenue par Microfocus. Son équipe est composée d'experts répartis dans le monde entier et tous supportés par nos équipes de R&D qui représentent environ 30% de l'équipe. Pour un peu plus d'historique, Fortify a été fondé en 2002, ensuite racheté en 2010 par HP Enterprise, qui ensuite fusionnera avec Microfocus en 2017. Ainsi, Fortify va fêter sa 20e année d'existence, témoignant d'une grande expérience et expertise dans le monde de la sécurité applicative. Cette expertise est d'ailleurs reconnue depuis 10 ans comme leader du Magic Quadrant de Gartner. Une position évidemment que Microfocus souhaite préserver, voire même renforcer, étant donné que Fortify est un atout de croissance clé pour Microfocus dans le cadre du groupe de sécurité CyberRes. Donc regardons maintenant un aperçu sur les différentes solutions de la gamme Fortify. Nous proposons différentes solutions dans le cadre de l'application security. Nous proposons par exemple des solutions d'analyse statique de code avec Fortify Static Code Analyzer, également appelé Fortify SAST, et des solutions d'analyse dynamique de vos applications avec Fortify Web Inspect. Ces solutions sont disponibles à la fois on-premise, également en mode SaaS, mais aussi en mode service managé. Mais vous pouvez également opter pour un déploiement hybride de ces différentes solutions, ce qui démontre la grande flexibilité et la stabilité de nos solutions. Ensuite, Fortify est capable de proposer une solution d'analyse de vos composants open source, des librairies embarquées dans vos applications, et cela par l'intermédiaire de notre partenariat avec Sonatype, qui nous permet non seulement de vous fournir leur solution, mais aussi d'intégrer leurs résultats d'analyse directement dans notre dashboard global de sécurité intitulé Software Security Center.
mais également aussi d'enrichir les résultats de cette analyse au travers d'une fonctionnalité développée en commun avec nos équipes de R&D et celles de Sonatype, permettant de détecter dans vos applications si la partie vulnérable d'une librairie est utilisée et si elle est exploitable. Revenons maintenant sur les besoins de sécurité au niveau de la sécurité applicative, hein, afin d'essayer de comprendre pourquoi il est devenu urgent d'intégrer la sécurité applicative dans la chaîne de fabrication logicielle. L'urgence part d'un premier constat qui concerne la vulnérabilité des applications. Selon un rapport réalisé par nos équipes de recherche, nous avons constaté qu'environ 80% des applications étaient exposées à des vulnérabilités critiques, qu'il s'agisse d'applications web ou mobiles. Mais également, 60% de ces applications présentent des vulnérabilités non couvertes par le top 10 de WASP. Le deuxième constat est qu'aujourd'hui, les entreprises publient de plus en plus d'applications, et cela de plus en plus rapidement. Et régulièrement. Ceci est notamment possible grâce à l'adoption de l'approche DevOps qui permet d'accélérer le développement et le déploiement de nombreuses applications. Sachant que la majorité des applications contiennent des vulnérabilités, cela signifie que l'adoption de cette approche DevOps accélère grandement l'introduction de vulnérabilités, allant jusqu'à une rapidité d'introduction de vulnérabilités 3 fois plus rapide. Pour y remédier, ce que nous proposons chez Fortify, c'est d'adopter le modèle Shift Left Security, qui permet d'intégrer les analyses de sécurité au plus tôt dans votre chaîne de fabrication logicielle. Avec Fortify, vous pouvez commencer à scanner votre application dès les premières lignes de code, afin de vérifier en continu que le code produit par vos développeurs est sécurisé, ainsi que les librairies utilisées sont elles-mêmes sécurisées et ne sont pas vulnérables. Il est important d'intégrer les tests de sécurité au tout début du développement d'une application, et cela afin de mieux la sécuriser tout en réduisant le coût. En effet, corriger une vulnérabilité tôt dans la chaîne de développement réduit à la fois le coût de correction, le temps de correction, et donc accélère le déploiement d'une application. L'intérêt du shift left, qui est devenu aujourd'hui plus un besoin métier qu'un simple intérêt, est d'accélérer le temps de mise en production de vos applications, tout en réduisant le coût de correction. Les différentes intégrations proposées par Fortify permettront également de mieux sensibiliser vos développeurs et de les aider à rapidement monter en compétence sur le sujet. Ensuite, une fois que vous aurez adopter le modèle Shift Left, vous serez confronté à une nouvelle problématique qui est la scalabilité. En effet, une entreprise moyenne gère environ 700 applications, dont 45% développées en interne. Ainsi, répondre aux multiples demandes des différentes équipes qui développent ces applications. Afin d'y répondre, vous aurez besoin de vous doter d'une solution flexible et scalable, capable de suivre l'évolution de ces différentes demandes de scan au sein de votre organisation. Pour cela, Fortify propose l'architecture Scan Central SAST, également disponible en DAST, qui permet d'automatiser la création de vos machines de scan et de distribuer les scans sur ces différentes machines afin d'absorber les pics de charge, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On va passer maintenant sur la présentation de l'architecture de cette infrastructure, de ce mode Scan Central SAST. L'architecture Scan Central SAST se compose de trois composants essentiels. Le premier, donc le numéro un, le Scan Central Contrôleur, c'est le service qui va s'occuper de recevoir les demandes de scan de vos équipes de développement, afin de les ordonnancer et ensuite de les affecter aux différents sensors disponibles. Le second composant, c'est le client Scan Central. Donc ce client, il sera capable de packager vos applications avant de les envoyer au contrôleur pour ensuite être dispatché sur les différents sensors. Ces clients peuvent être soit en mode standalone
ou bien intégrés, que ce soit dans des plugins ou directement dans la solution Fortify SAST, donc Fortify Static Code Analyzer. Le troisième composant, c'est donc les différents sensors. Ce sont les agents d'analyse SAST. Hein, plus exactement, c'est une instance de Fortify SAST, donc de Static Code Analyzer, qui vont exécuter donc l'analyse statique de vos applications. Ces agents peuvent être groupés dans des pools et choisir sur du coup quel sensor se déroulera chaque analyse en fonction des applications, en fonction de critères, de taille, par exemple. On peut, par exemple, répartir nos sensors dans deux pools. Un pool pour les grosses applications avec des machines très performantes et un second pool pour les plus petites applications avec des machines du coup, de plus petites dimensions de manière à éviter que l'analyse de vos grandes applications impacte les délais d'attente de vos petites. Donc, les scan des grosses applications tourneront dans un certain pool et les petites applications, elles, auront leur propre sensor attitré afin de ne pas être impactées par les scans des applications plus volumineuses. Si on regarde donc les points forts de ScanCentral SAST, hein, donc voici les points forts principaux. ScanCentral permet de mettre en place une ferme d'analyse statique évolutive où vous pourrez du coup augmenter et diminuer dynamiquement ses capacités et cela afin de répondre aux exigences changeantes de votre pipeline CI/CD. Ensuite, ScanCentral, dans le cadre d'une infra DevOps, hein, et c'est la meilleure solution d'analyse dans une telle disposition, elle va être capable de s'intégrer aux outils de build les plus courants, tels que Maven, Gradle, MS Build, pour fournir automatiquement les paramètres optimaux en fonction de la configuration des builds spécifiques à ces applications. Et bien sûr, tout ça en allégeant la charge sur les serveurs de build, ça va être les sensors qui vont supporter toute la charge de travail, c'est eux qui vont réaliser les scans. En parlant d'intégration, Fortify propose de nombreuses intégrations avec les outils populaires du marché, que ce soit au niveau des IDE, grâce au plugin Fortify, pour par exemple Eclipse, IntelliJ, Visual Studio, que ce soit des plugins de collaboration, de visualisation des résultats, ou bien même des plugins qui vont faire de l'analyse en temps réel sur le code qui est en train d'écrire vos développeurs, où on va être capable de détecter des vulnérabilités en temps réel. Également des plugins pour les serveurs de CI, hein, comme Jenkins, Azure DevOps, ou bien même les outils de build, à nouveau, hein, comme Maven, mais on en a de nombreux autres, qui permettent du coup de configurer et d'optimiser l'analyse en fonction de la configuration propre à chacune de vos applications et du coup faciliter une configuration qui déjà par défaut est simple à mettre en place, une configuration de scan de vos applications. En plus de la capacité d'intégration dans la chaîne de fabrication logicielle, Fortify est aussi capable de vous suivre l'offre de votre transformation digitale, surtout pour nos clients désireux de basculer vers le cloud. Ainsi, nos différents utilisateurs peuvent facilement continuer à lancer leurs analyses grâce à notre capacité à s'intégrer nativement avec la plupart des cloud providers, par exemple Azure, AWS ou encore GCP. Avant de passer la main à Omar pour la démonstration, un dernier slide sur la vision d'une chaîne CI/CD moderne et en quoi l'analyse SAST de Fortify est profitable. Nous retrouvons deux équipes. La première, c'est l'équipe Ops, hein, tout ce qui est environnement, qui est responsable de la mise en œuvre de la plateforme, que ce soit via des solutions d'infrastructure as code, de gestion de configuration ou autre. Et la seconde équipe, l'équipe de développement, qui, elle, évidemment, est responsable de la mise en œuvre et de l'application et des actifs. Donc là, qui va travailler sur le code de l'application, sur les guides de déploiement, etc. L'analyse Fortify SAST, du coup, ici, profitera aux deux équipes grâce à la capacité de Fortify de détecter des vulnérabilités non seulement dans le code applicatif, ça va de soi, mais aussi dans le code qui supporte le déploiement de vos applications, tels que dans les Dockerfiles ou à travers des différents langages comme Terraform.
l'analyse du coût, enfin, du coup, l'analyse statique ne concerne plus seulement le code applicatif, mais également le code responsable de vos infrastructures, des configurations et des différents déploiements. Sur ce, alors j'en ai terminé sur ma partie de présentation. Omar, je te donne la main. Pour ça, comme je dis, je te donne la main, je te fais présentateur. Et voilà, tu peux désormais partager ton écran. Ok, super. Merci beaucoup, Alex. Du coup, passons maintenant à la démo. Est-ce que vous voyez mon écran? Alex, tu me confirmes qu'on voit bien mon écran? Yes, on voit ton écran. Ok, super. Du coup, sur la partie démo, donc on va voir un peu concrètement ce que mon collègue Alex vient de nous présenter concernant l'architecture SCA centrale et comment on peut la déployer et l'utiliser, l'exploiter, soit directement à partir d'un IDE ou directement à partir de votre chaîne d'intégration, en illustrant avec plusieurs orchestrateurs qui sont aujourd'hui utilisés par beaucoup de nos clients. Sur la partie démo, comme indiqué Alex tout à l'heure, donc on a besoin d'une architecture SCA centrale. Donc les composants d'une architecture SCA centrale, ça va être un serveur SCA central SAS contrôleur, un serveur SSC, à savoir que le SCA central SAS contrôleur peut être hébergé sur le même serveur que SSC, et donc c'est pas un service qui est exigeant et gourmand en termes de ressources, donc qui peuvent être mutualisés sur un seul et même serveur, histoire de mutualiser les ressources et économiser les coûts. Donc ça de un, et ensuite on aura besoin aussi d'un serveur SCA central sensor qui lui s'occupera d'exécuter les analyses qui vont être ordonnancées par le contrôleur. Donc le contrôleur lui récupérera les demandes de scan, et en fonction des disponibilités des sensors, ben il va pouvoir les envoyer aux sensors disponibles et dédiés. D'un point de vue utilisation, on aura besoin sur notre pipeline ou à partir de l'endroit où on souhaite lancer une analyse SAS avec SCA Central SAS Controller, ben on aura besoin d'un client SCA Central tout simple, qui est léger, avec une simple configuration qui permet d'autoriser le client à pouvoir utiliser l'architecture SCA Central SAS qui est déployée chez vous. Donc celle-ci est tout à fait compatible soit en premise, soit si vous êtes sur une transformation cloud et vous êtes de passage, vous utilisez des infrastructures qui sont hébergées directement dans des cloud providers tels que Azure, Google ou AWS. En termes d'étapes, c'est simple. Donc comme je disais, donc on aura besoin juste de télécharger le client. Ce client peut être aussi fait partie de l'image elle-même qui va être utilisée par vos agents de build. Si c'est le cas, donc vous n'aurez pas effectué la première et la deuxième étape. Mais si jamais vous utilisez des agents qui sont publics, qui sont proposés, par exemple, comme dans Azure DevOps, on aura des agents publics ou des runners publics sur GitLab. Ben, dans ce cas-là, à chaque fois, vous devrez télécharger, mais ça prend pas beaucoup de temps pour configurer et installer le client SCA central. Donc, une fois que vous aurez SCA central qui est installé, ben, il suffirait de l'utiliser, donc de lancer une demande de scan avec SCA central client qui, lui, va pouvoir packager votre application et l'envoyer au contrôleur afin qu'il puisse l'ordonnancer et l'exécuter sur les sensors qui sont disponibles. Il est aussi possible d'automatiser l'upload des résultats directement sur SSC. Une fois le scan sera terminé, il est possible de publier les résultats automatiquement sur le portail de sécurité SSC. Et finalement, vous pouvez aussi décider d'appliquer une règle de sécurité, une quality gate ou une security gate, en fonction de comment vous l'appelez, afin de décider si votre pipeline est continu ou bien si vous avez détecté plusieurs vulnérabilités. Donc, vous pouvez aussi décider d'échouer votre pipeline de build. Donc, ceci dit, passons maintenant à l'action. Donc là, on va commencer plutôt par une intégration donc sur GitLab. Donc je vais me connecter sur GitLab, donc je vais vous montrer mon exemple ici. Donc c'est une application Java qui est développée avec l'outil de build Maven. Donc on va aller sur la partie pipeline, on va voir d'abord en quoi consiste un job SK
scan central. Donc ça, c'est un exemple de job scan central que vous pouvez réutiliser dans n'importe quel pipeline en fonction de pipeline sur lesquels vous souhaitez appliquer des scans de sécurité statiques avec scan central. Donc pour cela, vous aurez besoin de configurer quelques variables qui sont nécessaires pour l'exécution de votre analyse SAST, à savoir indiquer l'URL de votre portail SSC sur lequel on va publier les résultats, indiquer sur quelle version applicative on souhaite publier les résultats et aussi indiquer l'URL de votre scan central sur lequel on va envoyer la demande de scan. Et bien évidemment, tout doit être authentifié. Du coup, on a besoin de quelques tokens, un pour l'utilisation de scan central et un pour pouvoir publier les résultats directement sur le portail SSC. Et ensuite, on a besoin aussi d'installer, une fois on va commencer le job, on a juste besoin d'installer le client scan central, et ça aussi, ça peut être fait de manière automatique grâce aux sources qu'on publie online et qui permet d'installer automatiquement votre scan central client et aussi le configurer. Donc ça, c'est un outil qu'on peut vous mettre à votre disposition afin que vous puissiez automatiquement installer scan central client sur vos runners GitLab. Ensuite, une fois scan central installé, il suffit juste de lancer votre demande de scan avec le paramètre start, et après on indique qu'on souhaite uploader les résultats automatiquement sur le SSC. On lui donne les paramètres nécessaires, les applications, la version applicative. Et dans ce cas particulier, c'est qu'on souhaite aussi publier les résultats de scan sur GitLab. Et du coup, c'est pour cela que dans ce cas-là, on va bloquer le pipeline jusqu'à la terminaison du scan. Du coup, on sera en mode synchrone. Le pipeline, il va tourner jusqu'à ce que l'analyse se termine afin de pouvoir publier à la fin les résultats de scan de votre application. Donc là, tout est bon. Je vais juste, avant de me connecter ici, on va juste s'assurer comme quoi notre application existe bien sur SSC. On peut toujours le créer de manière automatiquement aussi dans les pipelines, et cela au travers des API qui sont mises à disposition par le portail SSC. Mais ici, on va plutôt, donc on voit qu'il y a notre version applicative, elle existe bien. Mais on va prendre, donc il y a la 3.0. Donc ici, on retrouve l'ensemble des vulnérabilités, étant donné que j'ai déjà lancé un scan dessus. Donc ici, on retrouve l'ensemble des vulnérabilités, des scans qui ont été détectés sur notre application. Donc que ça soit des analyses SAST. Donc là, on a les exemples des analyses des vulnérabilités qui ont été remontées, que ça soit des analyses dynamiques. Donc là, on a les vulnérabilités dynamiques qui ont été automatiquement détectées avec notre scanner DAST, et aussi on a la partie des dépendances open source grâce à Nexus Lifecycle de Sonatype, sur lesquelles on permet de remonter aussi l'ensemble des vulnérabilités. Donc dans notre démo, on va plutôt partir sur une application, une version vierge sur laquelle il n'y a pas de vulnérabilité, afin de pouvoir lancer notre analyse. Donc là, je reviens sur le pipeline. Donc là, étant donné que je l'ai déjà lancé sur la 4.0, je vais plutôt la lancer cette fois sur la 3.0, sur la 4.0. Là, je commit mes changes et je lance mon pipeline. Donc là, mon pipeline, il est en train de tourner. Un dernier point que j'ai pas montré, c'est qu'ici, comme je disais tout à l'heure, on utilise des runners publics. Donc tout va s'exécuter à l'intérieur d'une instance Docker qui est proposée gratuitement par GitLab en tant que runner. Aussi, il est possible que pour éviter à chaque fois d'installer automatiquement le client scan central, il est possible soit d'utiliser votre propre runner sur lequel il y aura déjà scan central client qui est configuré, installé dessus, soit vous pouvez aussi utiliser, on offre aussi la possibilité de télécharger une image Docker qui va contenir l'ensemble des clients nécessaires dont vous aurez besoin, et aussi à partir de notre repo Docker Hub qui met à disposition de nos clients une image qui est préconstruite sur laquelle on retrouve l'ensemble
des clients nécessaires pour lancer une analyse avec Skin Central SaaS et aussi d'autres clients tels que Fortify Vulnerability Exporter qui permet lui de publier automatiquement les résultats de scan sur votre portail de sécurité GitLab. Dans ce cas-là, donc, pour utiliser ça, ben, il suffit juste de configurer avec un fichier de conf et de lancer la commande Fortify Vulnerability Exporter SSC to GitLab pour récupérer l'ensemble des vulnérabilités, que ce soit les analyses DAST sous format JSON qui vont être publiées automatiquement sur votre portail de sécurité, soit on peut aussi envoyer des analyses de dépendance et aussi on peut aussi remonter des analyses DAST et comme ça vous aurez une vue globale de tout ce qui est remonté sur SSC aussi au niveau de votre portail GitLab. Donc ça c'est un point intéressant à connaître. Donc là on revient sur notre pipeline, pas besoin d'enregistrer. Donc là, si on voit sur le pipeline, étant donné qu'on a dit tout à l'heure que c'est un pipeline qui va être en mode synchrone, donc comme vous pouvez le voir, donc là, le scan a été uploadé vers l'architecture scan centrale de Fortify, mais qu'il est en train d'attendre que le scan puisse se terminer afin qu'il puisse publier les résultats. Donc voilà, maintenant voir un peu ce qui se passe côté SSC. Donc là, c'est l'architecture Scan Central. Donc on en a une pour le DAS, une pour le SAS. On va se focaliser aujourd'hui uniquement pour le SAS. Et on peut voir ici que les demandes de scan qui ont été envoyées. Donc on voit bien que notre demande de scan côté GitLab a bien été réceptionnée, voire que même le scan a été terminé. On peut voir aussi les différents senseurs qui sont disponibles et qu'on peut créer à la volée. Si par exemple, on voit que les temps d'attente commencent à devenir un peu grosses, pour alléger un peu et accélérer les scans, on peut déployer à la volée les senseurs, étant donné que ces senseurs sont déployables sur des clusters Kubernetes. Donc, on peut les monter à la volée, comme on peut les baisser à la volée si les demandes de scan tendent à baisser et comme ça vous pourrez aussi optimiser vos coûts par rapport à la disponibilité des senseurs. Donc vous pouvez les monter en puissance s'il y a un pic de charge et vous pouvez réduire le nombre de senseurs pour libérer les ressources dans votre infrastructure. Finalement, on a aussi l'état du contrôleur, donc pour vérifier si le contrôleur il fonctionne bien, s'il n'y a pas un dépassement de disque, ainsi de suite. Donc ça permet de visualiser l'ensemble des indicateurs de performance de votre contrôleur afin de vérifier si tout fonctionne correctement. Finalement, un point qui est important aussi, ce sont les pools. Donc, on peut catégoriser, voire grouper les sensors dans des pools dédiés. Ça, c'est un double intérêt. Le premier intérêt, c'est que, imaginons que vous avez des grosses applications, si celles-ci, les demandes de scan de celles-ci vont être lancées en premier, les petites applications devront attendre longtemps jusqu'à ce que les grosses applications terminent pour qu'elles puissent être lancées. Pour ne pas les impacter, l'idée ici, c'est de créer des pools d'applications pour des grosses applications, par exemple large application, ou pour des petites applications. Comme ça, les petites applications vont plutôt utiliser les sensors qui se trouvent dans ce pool-là. Les grosses applications vont être utilisées dans les sensors qui se trouvent sur ce pool-là. Vous pouvez aussi, un autre intérêt, c'est que vous pouvez configurer les sensors qui vont se retrouver dans le pool large application avec des configurations importantes qui peuvent accueillir des grosses applications. Et vous pouvez créer des petits senseurs avec une configuration un peu plus modeste, vu que c'est que des petites applications qui vont être lancées dessus. Donc, c'est un double gain. C'est d'abord ne pas impacter les petites applications. Et deux, c'est uniquement créer des senseurs puissants pour des grosses applications et ne pas le faire pour l'ensemble de vos applications qui ne nécessitent pas d'avoir une aussi grande configuration. Donc là, on revient sur notre pipeline. Donc, on voit que le pipeline s'est terminé. C'est ce qui a été indiqué aussi sur la partie scan request. On a vu que l'upload a été automatiquement uploadé vers la version 4.0 qu'on vient de créer. Et aussi que les résultats ont aussi été uploadés vers le portail GitLab. Donc là, si on clique sur les reports de GitLab, ici, on peut voir, comme vous pouvez constater, qu'il y a de plus en plus de vulnérabilités qui ont été détectées sur cette nouvelle application. Donc, pour ça,
on peut voir un peu plus le détail de ces vulnérabilités-là. Donc, on peut retrouver les vulnérabilités FAST qui ont été remontées, comme on peut aussi focaliser sur les vulnérabilités DAST qui ont déjà été remontées sur la version 3.0, et on peut aussi remonter les vulnérabilités qui sont propres à du Software Composition Analysis. Donc, on peut cliquer sur un exemple de vulnérabilité, toujours sur le portail GitLab. On peut avoir une description de la vulnérabilité, ça c'est Verity. Quel est l'outil ou le scan qui a remonté cette vulnérabilité? Donc là, il s'agit d'une analyse DAST qui a été effectuée par Fortify Web Inspect. Et là, on peut avoir quelle est la solution pour pouvoir y remédier. On peut aussi avoir des liens que si on clique dessus, ben, ça permet de nous renvoyer directement vers le portail et directement sur la vulnérabilité en question si elle existe. Donc là, on voit que ça nous a renvoyé directement vers la vulnérabilité en question pour nous donner quel est le payload qui a été envoyé pour identifier telle ou telle vulnérabilité. Encore mieux, c'est que si vous souscrivez à notre partenaire Secure Code Warrior, ben vous pouvez aussi vous être redirigé vers le portail Secure Code Warrior afin de pouvoir bénéficier d'un training ergonomique interactif pour aider vos développeurs ou les personnes qui vont corriger telle ou telle vulnérabilité à monter en compétence sur les aspects sécurité applicative. Donc ça, c'est pour la partie intégration avec GitLab. Donc maintenant, on va essayer de voir que c'est exactement pareil cette fois-ci avec Azure DevOps. Donc, passons maintenant sur Azure DevOps. Donc, on retrouve maintenant la même application, mais cette fois-ci, elle est hébergée sur le repo de Azure DevOps. Donc là, on va s'intéresser encore une fois sur le pipeline. Donc, on va voir notre pipeline, on va l'éditer. Et ce qu'on retrouve, c'est que on est capable de faire, de réutiliser exactement la même chose qu'on a utilisée pour la partie GitLab CI. Donc là, on retrouve les mêmes commandes. Donc la première qui permet de télécharger et installer automatiquement, voire configurer aussi votre client SCAN central. Et la deuxième commande, c'est de déclencher le pipeline de manière automatique sur votre build et sur votre pipeline. Donc là, ce qu'on va changer un tout petit peu de ce qu'on a fait tout à l'heure, vu que là, on ne va pas récupérer aucun rapport et le publier sur Azure DevOps. Donc, on n'a plus besoin de bloquer le pipeline. Donc là, on va enlever la partie bloc afin que sur ce pipeline, la seule différence qu'on va avoir, c'est qu'on va aussi changer, on va mettre la version 4.0 et on va juste lui dire, ben, tu packages l'application et une fois que tu termines, ben, tu arrêtes le pipeline. Comme ça, tu libères les ressources sur cette machine. Encore une fois, c'est une machine qui c'est un agent propre à Azure DevOps. Vous pouvez avoir votre propre agent sur lequel il y aura vos outils qui sont pré-installés dessus. Donc là, je lève la partie bloc qui était le cas sur, et je lui dis don't block pipeline finish une fois scan central SAST a démarré. Donc c'est la seule modification qu'on va faire et pareil, ben on va retrouver notre pipeline qui va être lancé. Donc on télécharge scan central et après on lance une analyse SAST directement sur le portail scan central. Donc là, en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller et on va vérifier ce qui se passe. On va attendre que le scan, la demande de scan, ben, arrive ici. Attendre un petit moment. Normalement, une fois le scan va apparaître ici, c'est à partir du moment où ce pipeline sera terminé. Étant donné qu'il ne va pas attendre. Donc là, on peut voir. Donc là, on voit que le pipeline s'est terminé. Donc, il n'y a pas eu d'erreur. Donc, on a bien packagé la solution
et on l'a submetté. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure sur GitLab, c'est que le pipeline de GitLab, on l'a bloqué pour que le scan puisse attendre que le pipeline reste démarré jusqu'à ce que le scan se termine. Ici, c'est pas le cas. On lui a dit, une fois que tu publies le résultat, ben, tu arrêtes le pipeline. Et on voit bien ici que notre pipeline a bien été réceptionné par ScanCentral Controller et a été poussé vers un senseur afin qu'il puisse être déroulé. Donc là, on voit que notre scan est en train de tourner. Et une fois le scan sera terminé, les résultats vont être publiés directement automatiquement vers notre nouvelle version 4.0. Étant donné qu'on a déjà lancé un scan avec GitLab, ici, on va juste aller voir les résultats qui ont été remontés avec GitLab. Donc là, on voit bien un artefact qui a été uploadé par GitLab et qui permet de visualiser les résultats de scan de notre application. Donc là, on voit l'ensemble des vulnérabilités qui ont été détectées. On voit qu'on a quelques vulnérabilités qui ont été remontées. Et si on revient, normalement, notre deuxième scan a été aussi terminé. C'est pour cette raison-là que ici on voit qu'il y a deux artefacts qui ont été uploadés. Donc le premier provient de GitLab et le deuxième, il provient de Azure DevOps. Donc là, vu qu'on sur Azure DevOps, ce qu'on va essayer de faire maintenant, parce qu'on s'est dit que la sécurité applicative, donc il y a deux aspects qu'on va scanner votre application. Il y a la partie du code qui va être produit par vos développeurs, mais il y a aussi la partie qui va être produite qui va être introduite par l'utilisation des dépendances open source. Donc, ce qu'on va faire dans notre pipeline, on va essayer de rajouter une analyse des composants open source. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser un plugin de Nexus IQ Server qui va permettre de lancer une analyse avec donc là l'application ID je l'avais juste ici donc c'est celui-là et du coup la phase c'est on va plutôt être dans la phase release. Et là, on va lui dire, on va scanner, vu que c'est une application Java, on s'occupera de scanner les dépendances qui vont être sous format Java. Et là, on rajoute notre pipeline. Notre pipeline, on a envie qu'il soit exécuté après notre analyse SAST, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir utiliser l'intégration avec l'outil de Build Maven. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié d'indiquer, c'est que quand on va scanner avec ScanCentral SAST, on va utiliser l'intégration avec l'outil de Build Maven. Ce que là signifie que on va essayer de builder notre application et en fonction de ça, ScanCentral va être capable de configurer automatiquement et d'optimiser l'ensemble des prérequis des scans nécessaires pour que ScanCentral SAS puisse s'exécuter de manière optimale. Donc ça vous évite plus tard de pouvoir extraire ou exclure des fichiers de test, par exemple, tout ça peut se faire manuellement grâce à l'intégration qu'on a avec l'outil de build. Donc, une fois cet outil de build va s'exécuter dans la partie ScanCentral, du coup, ça va générer les dépendances qui vont être nécessaires pour le lancement de la partie scanner des dépendances avec Nexus IQ. Et du coup, ce que je vous ai montré ici, c'est qu'on l'a fait grâce au plugin, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi faire pour la partie ScanCentral. On peut utiliser un plugin central. Qui va vous permettre donc là on va récupérer l'URL de ScanCentral Controller. On va récupérer le token. On va récupérer le token de ScanCentral Client. On va récupérer l'URL du SSC. Mais du coup, on va dire on publie automatiquement, on va récupérer l'application name et on va récupérer la version. Étant donné que ces éléments, je les ai déjà paramétrés, c'est pour cela qu'ils n'apparaissent pas. On va lui dire tu utilises l'outil de Build Maven
et on va lui dire que le pan se trouve à ce niveau-là. Donc ici, donc ça c'est une autre façon de lancer l'analyse qu'un central, c'est au travers de plugins qui est directement proposé. Donc là, je vais commenter. Ce lancement et je vais plutôt l'utiliser avec cette façon-là. Donc là, au travers du plugin, donc là, je vais lancer l'analyse CAM centrale à la fois avec le plugin Fortify qui est proposé sur Azure DevOps et aussi une analyse SAST. Ce que je vais aussi faire, c'est que j'ai oublié un truc. Je vais rajouter, mais vu que je l'avais déjà ici, non, je ne l'ai pas. Je vais rajouter la partie email, notification. Étant donné que ça, c'est un pipeline qui va s'exécuter de manière asynchrone, ben, j'ai envie d'être informé une fois le scan sera terminé afin que je puisse regarder le scan. Donc là, je récupère la partie email. Je vais mettre ici. Et je lance mon pipeline. Donc là, ça permet de montrer un peu comment on peut lancer un scan aussi de manière synchrone et être notifié une fois le scan serait terminé. Donc finalement, ce que je vais vous montrer en attendant que le scan tourne, c'est une utilisation de manière plus réelle de comment ce pipeline peut être utilisé sur un pipeline un peu plus complet. Donc là, je récupère un pipeline que j'ai déjà lancé, sur lequel on peut illustrer que les tests de sécurité peuvent être exécutés après un build. On peut lancer des scans avec DAST, SAST et SEA. Et en plus, on peut appliquer une security gate que si la security gate est exempte de vulnérabilité, dans ce cas-là, on décide de déployer, packager notre application pour l'ensuite déployer sur les serveurs de test. Donc voilà pour la partie démo. Et je te redonne... Je regarde si le scan est en train d'être exécuté. Donc là, on voit que le scan a été exécuté. Et on voit aussi qu'une fois normalement le scan va remonter des vulnérabilités, on est capable de recevoir des alertes pour indiquer qu'on a de nouvelles vulnérabilités qui ont été détectées sur notre application. Donc là, on a le scan qui a été lancé par Azure DevOps. Donc là, on reçoit une consigne, une alerte qui dit que le scan a bien été pris en charge par le scan central contrôleur et aussi qu'une fois le scan va être assigné à un sensor, on va recevoir une alerte. Une fois le scan sera terminé, on va aussi recevoir une alerte. Là, on voit que le scan a bien été exécuté sur un sensor. Une fois le scan sera terminé, on va recevoir une alerte qui indique que le scan a bien été terminé. Et une fois le scan remonte des vulnérabilités, le développeur ou la personne qui a lancé le pipeline permet de voir directement qu'il y a de nouvelles vulnérabilités qui ont été identifiées afin qu'il puisse se connecter sur le ECC ou bien directement sur son IDE pour pouvoir visualiser ces vulnérabilités. Donc là, on peut se connecter sur un développeur une fois il reçoit que... Donc là, on voit que le scan s'est terminé, qu'il y a de nouvelles vulnérabilités qui ont été remontées. Un développeur permet de se connecter directement sur son IDE pour visualiser l'ensemble des vulnérabilités qui ont été détectées sur son environnement et commencer à les corriger. Donc voilà pour la démo et je laisse la main pour les questions. Merci Omar. Merci Omar. Je vous propose de prendre une question pour commencer. Quel est le modèle de licensing? Je prends la réponse, Omar. Donc, le modèle de licensing est relativement simple.
il se résume à, au nombre de sensors concurrents licensés. Donc, en gros, si on a 5 licences pour des machines de scan dans les sensors, on peut avoir autant de sensors installés qu'on le souhaite, mais on sera limité sur le nombre de scans concurrents qui pourront tourner, donc en l'occurrence 5. Ce qui permet du coup de déployer les sensors un peu partout dans votre environnement ou plus près des applications et d'avoir le contrôleur qui, lui, gère automatiquement les lancements des scans en fonction des licences qui sont disponibles et du coup ne pas avoir à s'inquiéter des licences que l'on a. Et ensuite, on peut surveiller hein, le temps de combien de temps en général mettent nos scans à s'exécuter. Est-ce que du coup, en fonction de ça, est-ce qu'il faudrait que je rajoute des licences, etc. etc. Mais voilà, en gros, on se résume au nombre de scanners en parallèle qui peuvent être en train de scanner. Merci Alex. Une dernière question, est-ce que Scan Central peut faire aussi du DAST Alors oui, comme on a indiqué, Scan Central DAST existe également. Ça reste le même principe. On a une notion de contrôleur et de scanner répartis un peu partout dans votre environnement. Et pareil, des notions aussi de licence concurrente sur ces scanners et tout ça pilotable depuis différents clients, que ce soit via l'API, que ce soit via des plugins, que ce soit directement depuis la pipeline. C'est le même principe pour du DAST. J'ajouterais juste quelque chose peut-être par rapport à ça, c'est que les agents de scan SAST sont différents des agents DAST, c'est-à-dire que c'est pas le même agent qui va lui lancer une analyse SAST et DAST. Donc quand vous avez une architecture scan centrale, vous aurez des sensors qui vont être dédiés à lancer des analyses SAST. Quand vous aurez une architecture scan centrale DAST, ben vous aurez des sensors qui vont être dédiés pour exécuter des analyses dynamiques. Parfait, merci. Eh bien, écoutez, je vois que le temps est arrivé à l'échéance, donc merci à tous pour votre participation et vos questions. Nous vous enverrons bien sûr la présentation et le replay de ce webinaire d'ici quelques instants et nous vous souhaitons une très bonne journée jusqu'au prochain webinaire. À bientôt. À bientôt à tous.